Le poète disait, dans l'espace, la guerre est splendide. Dans l'espace, la guerre est superbe. Et c'est ce qu'on va vérifier dans ce nouveau The Big Game of Ski du jour. Avec, oui, vous l'avez deviné, avec, oui, il arrive, avec, écoutez-moi ce gros son de la mort qui tue. Bah, avec un shmup, bien entendu. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier et disséquer ensemble Galmadès, à ne pas confondre avec les Calamares. Quel est ce shmup? Je n'en sais absolument rien, vu que je ne l'ai jamais pratiqué. Donc, on va regarder la gueule qu'il a, illico. Banzai. Zut, ça c'est un autre youtubeur, faut pas que je m'en sers. Banzoui? Ok. Visco! Les rois de la... Non, je ne finirai pas cette phrase. Ron Burgundy, mon maître, m'a appris à ne pas finir les phrases parfois. C'est nécessaire. Bah dis donc, on n'a que du classique ici. Bon, je ne m'attends pas à une grosse merveille, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'on se sacrifie pour vous faire voir les jeux, sinon vous irez jamais les chercher vous-même. Dites pas le contraire, bande de feignasses. Alors, un scénario, oui, en effet. Allons-y, Toto. Non, mais non, mais non, mais oui, mais tu voudrais pas le faire en perspective aussi, ton générique, pendant qu'il est. Tu sais, qui part vers le fond de l'écran, là. Et l'histoire commence à danser la béguine. Comment ça, c'est pas du tout la bonne traduction? Mais si, mais si. Piou, piou, piou. Je dois avoir trois bombasses réglementaires en stock. Oula, ça fait des grosses explosions, ça, dites donc. C'est exprès pour me foutre le bordel sur l'écran. Des bonus planqués dans les vaisseaux qui ont une petite couleur différente, bien entendu. Alors, Wade, Torride. Machin, d'accord. Et laser. C'est important de bien appuyer le A quand on dit laser, les enfants. C'est Austin Powers qui vous l'a appris. Allez, encore un Torride. Je sais pas pourquoi j'appuie les hauts des torrides du coup. Peut-être pour pas dépareiller. J'ai pas encore essayé, donc du coup ça peut être bonus. Speed, speed, pendant pas trop, tu vas arriver à te faufiler entre les bullettes. Oula, oula, oula. Mais il me plaît pas, lui. Il me plaît pas, il me plaît pas. Je le veux pas. Pourquoi tirer derrière? Alors c'est peut-être un indice. Genre, je vais mettre en pause, mettre mon t-shirt. Non, pas par derrière. Et nous allons bien voir ce qui va arriver. Il est assez vif, le bougre. Hein. Alors, quand on repart avec un petit tir, oui, on pleure de chaudes larmes. Puisque on est vraiment à poil, et on se sent à poil. Hein. C'est pas qu'une sensation, c'est on est à poil, en fait. Et donc, flinguer le moindre truc qui prend plus d'un tir devient un véritable calvaire, je dois le dire. Oui, nous allons continuer. Mais sache que je ne t'épouserai pas, petit jeu. Donc, il n'y a pas de super bombe. Ok, on peut juste changer ce tir. D'accord. Bon, c'est bon à savoir, hein. C'est comme dans le cochon, tout est bon à prendre. Ouh, aïe, 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 aïe. Moi j'aime bien une super bombe quand même. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois, il y en a certains, je les aime pas trop là-dessus. Là. Surtout lui, là, le petit bleu qui tire ses petits projectiles à la noix de pécan, pour être précis d'ailleurs. Et non pas, parce que les noix de cajou ne fonctionnent pas dans les chemins, vous essayerez. Alors vous pouvez utiliser plein de projectiles, des cacahuètes, on est l'apéro en général. Mais moi je vous recommande les noix, parce que c'est... Bah c'est du coin. De mon avis, eh bien, ce jeu m'ennuie profondément en fait. Parce que on voit un petit peu tout venir à 20 km à la ronde, et malgré une vivacité qui est vraiment agréable, il est chiant. Je vais me mettre là, je bouge pas, je tire du nid, vous m'emmerdez. Et vous rentrez tous à votre maison. Non, c'est pas moi qui rentre à ma maison, pas aujourd'hui. Y'en a marre. Cette trouvaille de tir alternée, là, je sais pas si c'est vraiment une trouvaille. Est-ce que j'ai fait mes 5 minutes? Non. Je suis puni aujourd''hui. Je peux avoir un tir d'homme, s'il vous plaît. Non, pas de vitesse, d'homme.
Ouais. Alors le problème, c'est que ce jeu est ennuyeux et en plus, je peux même pas le recommander à des débutants puisque dès le deuxième tableau, ça se corse sévèrement et si le joueur perd son armement, il perd un peu, quoi. Même beaucoup. Même énormément des fois. Piu piu piu! Hey, je vais te laminer sans merci, car je suis sans merci. Et voilà. Et donc, on s'ennuie dans ton jeu là. J'ai déjà oublié ton nom en fait, tellement je m'ennuie. Voilà, je relise sur l'écran de, sur l'écran principal, parce que il va pas me laisser un souvenir impérissable ce jeu et même en instantané, il me laisse déjà pas de souvenir. Genre là, quand je vais quitter la partie, je saurais même pas ce que j'ai fait avant. Alors certains pourraient dire, oui, mais on connaît ça, c'est Alzheimer. Non, 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 pas du tout. C'est pas du tout Alzheimer. Ce jeu est boring. Il n'est pas boring of death, mais il manque quelque chose. C'est comme si vous aviez une recette qui est pas trop mal foutue, bien que relativement simple. Et qu'il n'y avait aucun épice ou aucun condiment pour relever un petit peu l'expérience. Et ben voilà ce qu'on a avec ce jeu-là. Piu piu piu, remets-moi le générique. Tu seras bien urbain. Donc, Galmed, oui, Galmed, bah, c'est bien d'avoir un nom un petit peu à la grecque, mais ça ne fait pas tout un jeu, hélas, les amis. Donc, toi, tu vas pas être validé, en fait. Tu vas partir dans les archives, au grenier, avec les vilains jeux passage. Et puis, les vilains jeux qu'on veut pas ressortir, surtout. Parce que j'ai pas l'impression que tu vailles la peine de revenir. À une soirée jeu entre amis, si ce n'est pour évoquer des souvenirs pathétiques, anciens et périmés. Voilà, j'ai tout dit, je vous dis à bientôt, parce que je ne sais pas comment finir ce stream, je ne prépare à rien, et ça se sent beaucoup. Ne vous abonnez pas à la chaîne, n'allez pas sur le Twitter de Big Gamowski, c'est catastrophique, et fermez votre navigateur immédiatement. Bonne nuit, au revoir!